êtes né en Guadeloupe. Vous êtes docteur en sociologie, qualifié donc aux fonctions de maître de conférence par le Conseil national des universités, en section 19, je pense. Ça correspond donc à sociologie et démographie, je pense. Et vous êtes également donc auteur de nombreux articles et de plusieurs essais. Est-ce que, alors, c'est un résumé. Est-ce que déjà à ce niveau, c'est correct? Je suis née en Martinique. Hein. Je suis Ah, c'est en de la Martinique. Martinique. Je vis en Martinique. Je suis née dans une petite commune du Nord Caraïbe. Et parce que de là où on vivait, il n'y avait pas d'hôpital. Donc, toutes les naissances du Nord Caraïbe se faisaient dans cette petite ville de Saint-Pierre, sur la côte Caraïbe à la Martinique. D'accord. C'était la ville qu'on appelait le Petit Paris, qui a été détruite par l'éruption de 1902. Et il y a eu plus de 30 000 morts. Et c'est une ville qui essaye de renaître de ses cendres, mais qui était vraiment une ville capitale, puisqu'il y avait tout ce qu'il y avait de plus moderne dans la France coloniale tous les pays européens, donc entretenaient un train de vie très prestigieux sur le dos des esclavisés, bien sûr, dans des inégalités. Incroyable, mais c'était une ville, alors que la capitale qu'on a actuellement, qui s'appelle Fort-de-France, c'était une petite bourgade et on voit qu'elle a du mal à devenir une vraie ville, une vraie capitale. Très Voilà. bien. Très bien. Alors donc là, j'ai présenté Madame Sierraza, donc la personne publique. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux découvrir, mieux la découvrir à travers sa personnalité, son parcours. Qui je suis enfant, mais il faudrait que je me rappelle de tout. Enfin, quand on me pose cette question-là, j'ai un flashback qui est toujours le même, c'est que c'est une période, il me semble, pendant laquelle j'ai été très heureuse, mais d'une vie rurale, d'une vie de campagne pure, protégée des, on va dire, des vices de la ville, des comportements très dénaturés, parce que vous savez que dans la ruralité, on garde beaucoup plus au contact avec les vraies valeurs, il y a un contrôle des gens, des familles les unes sur les autres, les enfants sont aussi. Je ne dirais pas les enfants de tous, mais on avait gardé cette mentalité très africaine. Et donc, j'étais, si vous voulez, quelque chose de très... une enfant très observatrice, parce qu'en fait, je suis née pas très loin d'une plantation. Enfin, je suis née, ou disons que j'ai vécu pas très loin d'une plantation où je pouvais observer justement à la fois les comportements des colons, moi je les appelle colons, même si d'autres disent que ce sont des descendants de colons, mais tels qu'ils traitaient leurs ouvriers, les noirs des plantations et les Indiens, puisque c'était deux peuples qui vivaient des conditions même après l'abolition de l'esclavage, puisque les Indos descendants de Martinique descendent d'une composante qui est arrivée après l'immigration, après l'abolition. Donc, on va retrouver les nouveaux libres aux côtés des immigrants, enfin l'un dans l'autre. Ils seront dans le même creuset de la plantation. Et voilà, il y a beaucoup de liens d'union maritale, comme moi je suis issue, donc d'une union comme celle-là, de père afro et d'une mère indo. Et donc, c'est des composantes qui vivaient des conditions de vie très proches. Et moi, je n'ai, à part les
des petites insultes que j'ai entendues sur les Indiens, parce que vous savez que les Indiens, les Tamouls en réalité, ont été très, très, très méprisés par le reste de la population du fait qu'on les avait fait venir un peu pour concurrencer la main-d'œuvre noire, africaine, afro, qui, elle, exigeait d'entrer dans des relations de salariat après 3 siècles d'exploitation. Donc, les nouveaux libres demandaient tout simplement à être payés. Et les colons vont refuser, comme ils refusent actuellement à l'Afrique, d'entrer sa volonté de liberté, d'exploitation par elle-même de ses matières premières. On a le même schéma. C'est comme disent nos amis du continent, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, on est vraiment dans cette posture-là. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont utiliser donc cette main-d'œuvre. Il n'y a pas que les Indiens, il y aura des Chinois un peu, il y aura d'autres Africains qui sont des Congolais rachetés, etc. Et donc, ils vont utiliser cette main-d'œuvre-là pour véritablement diviser, enfin, casser les luttes des travailleurs. Et ce qui va se passer, c'est que, comme c'est souvent le cas entre les dominés, eh bien, ils vont reporter leurs frustrations et leurs échecs sur les Indiens qui, eux, étaient absolument des victimes de cette politique, si vous voulez, de refus de moderniser leurs relations de travail, de donner aux Noirs, en fait, l'accès au salariat, ce qui leur permettait à la fois d'être libres, de gagner leur vie, de cotiser, enfin, ben, les cotisations sont venues après, mais une reconnaissance qui marquerait leur changement de statut. Donc, finalement, on va retrouver ces deux populations desquelles je suis issue, qui vivent des conditions très misérables dans le sens où ce sont des personnes qui sont utilisées par la main de par les colons et leurs descendants, si on veut, et qui n'ont pas de privilèges de race. Le problème, c'est que la différence des Indiens va faire que on va reporter sur eux aussi beaucoup de préjugés raciaux. Parce que j'ai commencé par essayer de comprendre qui fait partie de, si vous voulez, de ce qui a éveillé mon regard dans mon enfance, pourquoi cette difficulté entre les deux populations. Et donc, j'ai écrit des ouvrages, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de recherches, et ma thèse de doctorat s'est intitulée Études analytiques des relations entre indiens, entre noirs, indiens et béquilles, c'est-à-dire les trois composantes qui se sont retrouvées un peu en conflit. Donc voilà, c'est une partie de ma vie qui, en même temps qu'elle est en tant que relation de groupe, intergroupe, est compliquée et je ne la vis pas de manière intime. C'est pour ça que pour moi, on est noir et mes amis, tout ça, on est des noirs. Je n'ai pas élaboré une identité indienne Tout à parce fait. que les rapports étaient compliqués, mais dans la vie quotidienne, on vivait les mêmes choses. Et on était très, très proches. Donc, le sentiment que j'ai d'avoir été très heureuse vient du fait que je n'ai pas été senti qu'on était exclu parce que on était un peu différent physiquement, je veux dire. Ça n'a pas joué de rôle. Ça n'a pas joué de rôle dans la constitution de ma vision du monde. Au contraire, pour moi, il y avait à protéger ceux qui souffraient des inégalités. Donc, ça explique l'orientation de mes choix de travail, de mes choix de recherche et de mes positions. Parce que je pense que l'éducation qu'on reçoit nous conduit directement pour nous intégrer dans le système dominant,
apprendre fait et cause pour les dominants, c'est-à-dire à considérer qu'on leur doit quelque chose. Et dans ma vie, j'ai au contraire très très tôt vu que ce sont les dominants qui doivent quelque chose aux dominés. Donc ça explique pourquoi je donne dans mes explications, j'essaye de donner des outils de déconditionnement aux miens qui sont tous les pauvres de la planète, si on veut. Mais c'est d'abord, pour moi, c'est le peuple noir, les afrodescendants, comme ils s'appellent, ou les Africains, peu importe. Parce que je n'ai pas continué avec les Indiens, parce que les Indiens s'en sortent mieux du fait que le continent indien a réussi à s'extirper des griffes de la colonisation anglaise et que il fait son chemin. Donc moi, je considère que voilà, même si en interne il y a beaucoup de difficultés, mais d'une manière, on va dire très globale, les Indiens, les Indos descendants, y compris de la Caraïbe, s'en sortent très bien. Et il y a même beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que les Noirs considèrent que ils ont un peu pris leur place, qu'ils s'en sortent mieux parce que et qu'il n'y a pas trop de solidarité entre les deux groupes. Ce pourquoi j'essaye de vrai pour dire qu'on n'a pas de raison de se séparer. Donc, pour boucler la boucle de mon enfance, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué avec mes amis, dans un environnement que j'ai trouvé très pur. Et quand je l'ai quitté, j'ai été assez dans une situation de malaise parce que j'ai trouvé des citadins, des gens de ville qui avaient des comportements, des façons d'être. Que je trouvais méchante et que je trouvais particulière. Donc, j'ai eu un temps d'adaptation à la mentalité citadine déjà dans mon pays. Ensuite, à l'université, quand je vais aller, donc je vais rentrer en France assez tôt, disons que voilà, mes parents vont se séparer et ma mère va s'en aller donc vivre en France. Et elle va reprendre ses enfants un temps après. Et bien sûr, c'est compliqué parce que, entre-temps, elle était devenue un peu une étrangère. Et pour moi, en tout cas, et les conflits de communication, d'adhésion aussi à une idéologie qu'elle avait, comment on va dire ça? Pour se protéger, parce qu'elle était seule, elle était devenue témoin de Jéhovah. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de. Voilà, moi, dans ma tête, j'ai d'abord été dans des filières philosophiques, j'ai beaucoup, toujours beaucoup réfléchi, beaucoup lu et beaucoup pas accepté du tout le système dans lequel on nous obligeait à nous inscrire parce que je ne nous trouvais pas, je ne nous retrouvais pas dedans. Et malgré les aliénations et tout ça des uns et des autres, je sentais qu'il y avait une vérité à chercher. Et il fallait la chercher avec les bons outils. Il fallait surtout rester fidèle à son idéologie, enfin à sa vision, parce que j'ai toujours été une enfant qui observait beaucoup. Je ne sais pas d'où ça venait. Si je pense que j'ai eu du mal à entendre quand j'étais enfant et on n'a pas su que j'avais des amygdales qui m'empêchaient de bien entendre. Donc j'étais isolée en dedans de moi. Et comme les gens, même mes parents, ma mère surtout, ne comprenait pas parce que les autres étaient vivaces et moi j'avais l'air toujours d'être un peu dans un autre monde. Eh bien, dans cet autre monde-là, j'observais beaucoup. Et en même temps, comme je vous dis, j'ai été heureuse. Donc, je ne parle pas des petits soucis domestiques. Je parle Bien sûr. d'un sentiment très, très global. J'ai adoré. D'ailleurs, quand je retrouve des lieux comme ça où il y a des campagnes, la verdure, les rivières, parce que j'ai passé
beaucoup, beaucoup de temps dans les rivières, dans l'une qui passait sur notre terrain, pas loin de la maison. Enfin, pour moi, c'est un peu, c'était un petit paradis, et c'est ça qui est resté, qui m'a imprégné beaucoup plus que les petits soucis domestiques. Mais je vous disais que j'avais du mal à entendre, et on l'a découvert après, donc j'ai été opérée, et tout d'un coup, j'ai explosé. J'ai été vivre dans une commune plus citadine. Et j'ai été partout, tout le temps, la première à l'école. J'avais d'excellentes remarques des enseignants, mais ça ne me montait pas à la tête parce que j'étais pas, comment vous dire ça, élitiste. Et très tôt, j'ai été très, très, comment dire ça, oui, voilà, les gens étaient peut-être un peu jaloux, peut-être un peu tout ça, mais ça ne me touchait pas parce que pour moi, c'était pas fondamental. Et ce sont des personnes que j'ai retrouvées 20 ans après, même plus, qui me disent, tu te rappelles, tu avais toujours 20, tu étais si. Et je dis, ah bon? Et je le disais très sincèrement parce que je ne me souvenais pas que j'étais une si bonne élève, mais on me l'a fait, ceux qui ont été dans les classes avec moi, on l'avait observé. Donc j'étais quelqu'un comme ça qui a eu le temps, la première partie de sa vie, de vivre des choses qui m'ont complètement, comment on va dire ça, raccroché, si on veut, à la nature et aux gens, leur façon de vivre et surtout à cette mixité entre indiens et nègres. Indiens, enfin, on Oui. les appelait coolies et nègres, et c'était vraiment un monde comme ça où je ne voyais pas de différence entre nous deux, les deux composantes. Et puis, sorti de cette petite ville, de cette commune rurale, je suis allée dans une autre commune après le départ de ma mère, justement. Et là, comme je vous dis, donc on découvre que j'ai un problème de. C'est pas de la surdité, mais elle est provoquée du fait que je n'entends pas. J'ai des amygdales qui font pression sur mon ouïe. Une fois qu'on enlève D'accord. ça, voilà, j'explose littéralement et je fais une scolarité jusqu'à la première. Vraiment excellente. Et c'est à ce moment-là que je retrouve ma mère en France et que j'entre en bac de philo. J'ai 8 heures de philo par semaine. J'adore ça parce que j'ai toujours beaucoup réfléchi. J'adore ça. Ça me donne de la matière. Je suis opposée à ce que ma mère me demande de devenir témoin du Jéhovah, etc. Et ça crée donc une relation conflictuelle. On va se séparer comme ça. Et finalement, moi, je vais intégrer l'université après le bac. Et grâce à une très, très bonne amie que je n'ai jamais oubliée, que je n'oublierai jamais, mais que j'ai perdue très vite, elle s'appelle, j'espère, Madeleine Gokonjok. Elle venait du Cameroun. Et c'est quand je suis arrivée en France en première et en terminale, bah voilà, il y avait des blancs dans les salles, les classes, et il y avait Madeleine qui me ressemblait, à mon avis. Et donc, elle a été, voilà, la personne à qui, vers qui je me suis tournée et avec qui. On a beaucoup discuté, beaucoup fait de choses. Et quand le moment d'étudier était arrivé, eh bien Madeleine, qui avait déjà un certain âge, je pense que sur le continent, parfois, les enfants ne sont pas déclarés au jour de leur naissance. Donc, elle avait déjà, en maturité, elle était très, très avancée et elle savait ce qu'elle voulait, où elle voulait aller, etc. Et c'est grâce à cette. Sorte de savoir qu'elle avait, de connaissances qui m'a beaucoup inspirée, que je me suis donc inscrite aussi dans des filières universitaires et qui pouvaient me permettre de continuer cette branche de la philosophie que j'avais entamée et puis en même temps
essayer d'être dans dans une volonté de chaque fois que j'aurais eu à faire un travail de recherche, je le ferais sur mon peuple. Ça, c'était mon leitmotiv. Et c'est ce que j'ai fait depuis la première année. À l'époque, on parlait de DEUG, après licence, maîtrise, DEA, doctorat. Donc, j'ai fait ça dans une filière qui s'appelle administration économique et sociale, parce que je pouvais travailler les quatre matières qui me passionnaient. C'est la sociologie, le droit, l'histoire et l'économie. Et c'est pour cela D'accord. que, d'ailleurs, dans mes écrits, ça doit se ressentir. Je suis assez pluridisciplinaire parce que j'ai cette formation de base qui était très, pour moi, très solide. Et puis, j'ai fait de l'espagnol, Amérique, bon, on dit Amérique latine, moi, je préfère dire Amérique du Sud, une maîtrise qui me permettait aussi de comprendre ces réalités qui sont assez proches de la Caraïbe, puisque nous sommes dans les Amériques. Et après, donc, un doctorat qui m'a demandé un travail titanesque d'enquête et de compréhension, ben, j'ai fait une grosse thèse de doctorat que j'ai publiée en deux ou trois parties, mais il y a des parties maintenant qui intéressent notre peuple, notamment dans la difficulté qu'on a à faire peuple, et que je suis en train de travailler pour le publier pour donner de la littérature psychosociologique à tous les nôtres, parce que j'ai vu que ce sont des domaines qui sont peu explorés dans les problématiques qu'on aborde. Donc je pense que ce sont des outils de libération. Voilà, en D'accord. gros, le circuit étude. Après, j'ai jamais arrêté, hein. Merci pour la question. Moi, je ne me sens pas être une personnalité. Je me sens habitée par un devoir. Parce que ce que j'ai toujours expliqué, c'est que et je pense que c'est ça l'un des problèmes que j'ai avec mes pairs, c'est-à-dire les gens qui ont étudié comme moi et qui sont par définition voués au système, c'est-à-dire on travaille, on fait ses études, on a fait beaucoup d'efforts, de sacrifices, et puis après le système vous fait une place. Moi, j'étais vraiment en porte-à-faux avec ce système parce que premièrement, je ne l'acceptais pas, et deuxièmement, étudier pour moi ne signifiait pas avoir une perspective carriériste. Je voulais, j'étais pas dans la carrière. D'ailleurs, je ne le suis toujours pas. Et quand on m'a fermé toutes les portes parce que vous connaissez la France et son discours, sa manière de nous avoir rendu un peu fait de nous ses propriétés et nous avoir limité nos horizons. Moi, c'est une chose, très sincèrement, que je n'ai pas acceptée. D'abord parce que cette posture-là fait que je suis très, très libre dans mes choix. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de plan de carrière. Et je voyais les gens qui venaient, justement, qui faisaient les études que moi j'ai faites, qui savaient qu'ils allaient devenir haut fonctionnaires, etc. Et je les regardais d'un air un peu perplexe parce qu'au fond, ça ne m'habitait pas. Et je ne me suis pas inquiétée quand j'ai vu que tout le monde se préoccupait s'inscrire dans un créneau, un réseau, etc. J'ai pas travaillé ces choses-là. Je n'ai rien fait de tout ça parce que le seul souci que j'avais, c'était de travailler à comprendre mon peuple. Non seulement parce que nous D'accord. étions un peuple plural, parce que les blancs qui nous dominaient, leur manière de jouer au grand seigneur, tout ça là, c'est dans mon esprit de petite fille, c'était des choses qui me choquaient, mais tellement profondément que je me dis, je dois être la réincarnation de quelque chose. Mais c'est que je l'ai vue toute petite, petite fille. Et je me D'accord. rappelle que ce sont des choses et j'ai compris très tôt que ces gens-là n'étaient pas de moi. Alors qu'entre Indiens et Noirs, pour moi, on était la même famille, une seule et même famille. Mais tout de Absolument. suite,
Tout de suite, pour moi, les Blancs, c'était pas la même. Ils étaient en dehors de nous. Ils étaient avec leurs airs, leur richesse étalée et leur manière d'utiliser nos pauvres nègres et nos pauvres Indiens. C'était une chose que mon esprit de petite fille ne tolérait pas. Mais c'est en grandissant qu'après, on apprend à formaliser, à donner du sens à son ressenti, parce que mon ressenti de petite fille, il est tellement fort et violent que je l'ai encore. C'est-à-dire que si vous me dites de me demander de vous dire très exactement ce que j'ai ressenti à tel moment en face de ces gens-là, je saurais vous le décrire. D'ailleurs, je pense que l'un de mes livres qui s'appelle La racisation des relations intergroupes, il y a un chapitre qui est consacré aux blancs créoles, comme on les appelle, aux béquets, et où j'explique le regard du noir, donc de nous tous, indiens nègres confondus, ou polynèques confondus, et j'explique les béquets vus par les noirs et les indiens. Et c'est ce regard-là qu'aucun Martiniquais n'a jamais osé explorer, qui a fait que j'ai déclenché les foudres de ces gens-là, qui non seulement n'étaient jamais interrogés, mais qui ne nous permettaient pas, à nous, pour eux, les espèces de sauvages ou je ne sais quoi, pour lesquels ils nous prenaient. Et personne n'a jamais osé, parce que le dominant, il n'est pas regardé. Le Non. dominant, il est là, il fait ses affaires et puis il décrète que c'est lui qui fixe, qui donne le là, c'est lui qui décide de payer ou de ne pas payer, d'employer ou de ne pas employer, et qui nous dit en plus, je vous interdis de me regarder et de parler sur moi ou de parler de moi, alors qu'ils ont passé, tous les Blancs ont passé leur temps à scruter à la loupe les minorités, enfin entre guillemets, parce que nous sommes des majorités dans ces pays-là, mais des majorités démographiques, pas des majorités sociologiques. Et les Blancs, qui sont une toute petite poignée de gens, sont des majorités sociologiques, puisque ce sont eux qui déterminent un peu l'orientation de tout dans ces pays-là. Ils décident de tout, ils ont le pouvoir. Et du coup, D'accord. moi qui suis libre dans ma tête, je décide de regarder. Parce que depuis enfant, je regarde. Depuis enfant, personne ne m'a dit de ne pas regarder, ou bien même si je regardais, comme j'étais une petite fille, personne ne faisait attention, mais je regardais. Hein? Et donc, c'était important pour moi de pouvoir restituer le sens de ce regard-là. Et Tout à fait. le travail sur la domination vient aussi de cette orientation, cette compréhension sensible que j'avais de ce que représente très, très concrètement la domination des peuples qui sont utilisés par les Blancs, les Occidentaux, dans leur projet de grandeur, et surtout d'enrichissement à mon compte, parce que c'est un enrichissement qui n'a pas de contrepartie pour les Noirs ou les Indiens, enfin dans les plantations. Donc c'est tout ça qui explique comment mon travail a été orienté et comment, puisqu'on se connaissait mal, puisque à l'école on apprenait à ne connaître que les Blancs et leur histoire, etc., ma volonté, et c'est pour ça que j'avais de l'histoire dans ma formation, ma volonté était de comprendre comment tous ces gens si différents se sont retrouvés dans le creuset de la plantation avec des maîtres blancs, et puis qu'est-ce qu'on ne nous dit pas dans notre histoire, pourquoi ça n'est pas raconté et pourquoi c'est même interdit de raconter, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit sur le continent africain actuellement, il est interdit aux gens de dire qu'ils ne sont pas contents. Mais voilà, c'est tellement hallucinant. Alors du coup, je n'ai pas été dans une démarche carriériste, je n'ai voulu que accéder à mon peuple, celui que je considérais être mon peuple, et pour ça, il me fallait le comprendre, mais j'étais dans l'excellence, dans ce sens où je n'ai jamais fait d'études à demi. J'ai été vraiment, vraiment toujours très bonne,
Donc, tout ce que le système nous demandait de faire comme, voilà, pour avancer, licence, DEUG, etc., jusqu'au doctorat, j'ai eu une mention très honorable, alors que je me suis vraiment battue pour faire ce que je voulais dans ce doctorat, c'est-à-dire traiter le sujet qui m'intéressait, alors que mes directeurs de thèse n'étaient pas trop d'accord. Donc, c'est ça, cette manière d'avoir habité une sorte de liberté, de regarder mon environnement et de le traiter comme il me semblait qu'il devait se faire. Et sans être carriériste, eh bien, j'ai fait finalement une carrière de chercheur où j'assume totalement mes positions et où le système me combat, m'empêche d'enseigner, m'empêche de travailler, m'empêche de gagner ma vie, mais je continue à déblayer pour les miens, tous ceux à qui ça fait du bien, parce que ils me disent tous les jours qu'ils sont heureux de ce travail, qu'ils se construisent avec et que je trace des voies pour eux. Beaucoup de jeunes se servent de ça, de ce travail pour trouver du sens, parce que eux, sur le continent non plus, nos jeunes n'ont pas de ce genre d'orientation. Donc, je me dis, ben, c'est une carrière consacrée à donner des outils aux miens pour qu'ils vivent un peu de bonheur d'être ce qu'ils sont, comme ils sont. Et tant pis, j'ai été un pion sacrifié, si on veut, mais je ne me sens pas sacrifiée parce que je suis libre, en fait. C'est ça qui fait Je mon pense. bonheur. Mon bonheur, c'est ma liberté. Bah écoutez, il y a des sacrifices qui sont nécessaires et finalement qui sont même bien, bien. Parce que du coup, en tout cas, nous, jeunesse africaine, etc., nous en profitons parce que vos travaux comptent énormément. Et je pense que voilà, non, c'est, on va dire, à quelque chose près, entre guillemets, malheur et bon, à quelque chose près. Oui. Oui. Alors, j'allais une autre question, c'est en général, Madame Sénardière, en général, les Africains, dans leur ensemble, hein, sont passés par la case baptême, catholique, etc. J'ai compris tout à l'heure, vous m'avez dit que votre maman était témoin de Jéhovah. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce votre cas, dans l'absolu, quel est votre rapport à la religion? Alors, ma mère n'a pas grandi si vous voulez, dans la religion des témoins de Jéhovah. C'est lorsqu'elle s'est séparée de mon père, qu'elle est partie en France, qu'elle était seule et que les témoins de Jéhovah, vous savez comment ils font du porte-à-porte et ils vous ouvrent les bras. Et donc, je pense que ça a été pour elle, une sorte de consolation et de rupture de l'isolement, mais au fond, elle est devenue, je pense, quand elle a eu la quarantaine, hein. Donc, nous, on a été baptisés chrétiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le père de ma mère, c'était un grand prêtre hindouiste, le prêtre par excellence, qui parlait le tamoulophone par excellence. C'était vraiment. Et là, c'est intéressant de considérer ma trajectoire à partir en regardant un peu en flashback celle de ma mère, parce que ma mère avait tout ce qu'il fallait pour être on va dire, une indienne indo-descendante avec sa religion, sa langue, etc. Mais le travail d'aliénation, de conditionnement et d'arrachement de tous ces peuples à leur culture que mène la France encore aujourd'hui, ce travail a donné beaucoup, beaucoup, a eu beaucoup d'effets, puisque la branche indienne de ma famille a renié totalement cette religion, n'a pas appris la langue, l'a considérée comme de la sorcellerie, puisque c'est la même démarche qui a été faite pour le vaudou et qui a poussé les gens, les Noirs, à abandonner, et à force de répression et de stigmatisation, ils ont abandonné leur religion. Il n'y a qu'à lire Le Père là-bas pour comprendre comment on a fait les Noirs renoncer à leur religion. C'est épouvantable et on ne sait pas pourquoi on a mérité d'être entre les mains de gens aussi méchants. Maintenant, du côté c'est pour ça que je dis du côté des Indiens, des descendants, on a eu la même chose en parallèle. Donc, ce sont vraiment deux peuples qui, pour moi,
dans ma petite histoire personnelle, hein, n'ont pas de différence en termes d'aliénation, de conditionnement, de rejet de soi. Donc, ma mère, elle avait tout pour être une indienne, entre guillemets. Ma mère n'a jamais été. Elle n'a jamais été. Je n'ai jamais reçu rien. Peut-être que dans des postures, je ne sais pas, mais je n'ai jamais rien reçu en termes de traits de culture bien définis de son indianité. Voyez? Donc, D'accord. c'est important qu'on comprenne que elle devient témoin de Jéhovah après beaucoup de temps passé dans la religion catholique et elle est récupérée en France par des gens justement à un moment difficile de pas difficile. Mais d'isolement, un moment d'isolement. Eh bien, voilà, c'est la question de la religion. Donc, moi, j'ai suivi cette trajectoire-là. Dans la ville plus citadine dont je vous ai parlé, où j'ai fait de la sixième à la terminale, ben, j'étais pratiquement enfant de chœur, je jouais à l'harmonium, j'étais à toutes les cérémonies puisque les curés nous sollicitaient. Donc, c'était des choses qu'on faisait, ça remplissait peut-être la vie, mais je ne sais pas. Quand je vous dis que dès que j'ai commencé à entrer, j'avais déjà beaucoup de questionnements, mais quand je suis entrée en classe de philosophie, ben, j'ai commencé à tout, vraiment tout critiquer, mais avec des supports, on va dire, théoriques. Et là, c'était très, très, très fort. Donc, j'ai dit à ma mère, ces histoires-là, ça ne me convient pas du tout. Je me désolidarise de ça et permets-moi de te dire que je ne veux plus continuer dans cette voie-là, etc. Ce qui a été très, très, très mal vécu par elle et qui a été à l'origine de très gros conflits entre nous. Mais donc, par la suite, j'ai arrêté de fréquenter et les témoins de Jéhovah et tous les autres. Donc, je n'ai pas de religion. Mais je suis de D'accord. deux peuples. J'ai pas de religion, mais je suis de deux peuples et qui ont un rapport à des divinités qui sont à elles. D'accord. Enfin, à eux, du peuple, et qui m'intéresse énormément. Donc, je regarde quand il y a des manifestations, quand on fait des rituels aux divinités, etc. J'ai le sentiment d'appartenir à ça depuis très, très longtemps. Je ne me pose pas de questions. Je suis très sereine avec tout ça. Et quand on parle du vaudou de travers, je suis offusquée parce que je dis que j'ai là affaire à des ignorants qui n'ont pas compris. Et donc, quand je vois les luttes qui se mènent actuellement pour que les Africains, les Noirs en général, retrouvent leur spiritualité, pour moi, ce sont des combats qui sont aussi justes que dire aux gens, reprenez vos corps, vos cheveux, acceptez-les, aimez-vous comme vous êtes. Pour moi, c'est dans une continuité. Donc, je ne suis pas voyez comment on fait en psychologie sociale, on catégorise et on met des compartiments de nos vies dans des cases et puis on dit voilà, non, pour moi, nous sommes un tout. Et chez les indo-descendants, ben, ça, c'était une petite minorité qui n'a pas impacté la communauté indienne. Mais en Afrique et dans la diaspora, le travail des religieux, des religions dites révélées, a complètement détruit notre peuple. C'est-à-dire, on a complètement privé les gens de supports très, très importants et c'est massif. Et donc, pour moi, c'est très, tout à fait logique que des gens qui ont compris qu'on les a dépossédés et que c'est à partir de cette dépossession qu'on a rendu la domination possible et facile, et que une fois qu'on a entortillé les cerveaux des gens, il est très difficile de leur tenir un discours sur l'aliénation, parce que les gens ne comprennent pas. C'est quoi l'aliénation? De quoi vous nous parlez? Nous, c'est Dieu, il n'y a qu'un Dieu, Dieu n'a pas de couleur, alors qu'ils l'affichent en blanc sur tout leur meuble, dans leur maison, dans leur tête aussi, puisque l'imaginaire est basé sur des images. Eh bien non, non, ils refusent de reconnaître que ils sont en train de se... comment dire,
d'adorer ou bien en tout cas de rendre hommage à des dieux de d'autres peuples qui ne leur appartiennent pas. Et pourtant, voilà, il y a quand même beaucoup d'explications aujourd'hui qui expliquent ça. Donc moi, j'essaye de faire un travail pour expliquer aux nôtres qu'il ne suffit pas de dire aux gens qui sont aliénés. Il faut comprendre d'abord comment fonctionne le cerveau et comment fonctionne le cerveau de gens qu'on a laissés dans la précarité pendant des centaines d'années et qui n'ont eu comme recours que l'idée d'un Dieu bon et etc., qui n'a pas de couleur, alors que justement, c'est parce que ce Dieu-là qu'on leur vend est un Dieu blanc qu'ils ont du mal à sortir de la domination. Parce que pour eux, les religieux, même quand on leur dit pourquoi vous laissez des icônes blanches alors que les chrétiens, les fidèles sont des noirs, ils vont vous dire, ah, vous voulez la révolution, madame, etc. Et c'est donc que les gens savent, les religieux et le système sait que c'est en maintenant des icônes blanches, en faisant les noirs adorer des dieux blancs ou des divinités blanches, qu'ils maintiennent le caractère tabou de leur domination, que les gens n'oseront pas les affronter parce que justement, le travail qui est fait sur le cerveau d'acceptation et de considération que Dieu n'a pas de couleur au moment même où il le voit blanc, blond aux yeux bleus, c'est quand même très fascinant et il faut vraiment, il y a une génération, des générations qui seront sacrifiées avant que les jeunes générations soient éduquées dans le sens de sortir, d'abord pas leur présenter du tout ce genre de divinité qu'ils n'en sont pas, parce que une divinité. Voilà, non, ça, moi je pense que c'est important que on comprenne que il y aura un moment où il nous faudra avoir le sentiment qu'on est agnostique, qu'on ne croit en rien. On ne croit en rien parce que ça nous permettra de faire le vide et de regarder nos cultures de manière plus sereine. À partir Absolument. du moment où il y a un conflit entre en interne chez les personnes qu'on essaye de faire revenir à leur civilisation, ce conflit-là sera. Moi, j'ai eu beaucoup de gens très, très violents envers moi. Ça m'a pas découragé. Mais il y a des gens qui m'ont dit, tu es indienne, tu n'as pas le droit de parler des Noirs, alors que je ne sais pas où est la différence entre moi et un Noir, parce que j'ai une enfance d'enfant noir. J'ai pas vécu, comme je viens de vous raconter, j'ai pas de parents, de mère qui m'a emmené vers quelque chose de différent. Et puis mon père, c'était une personnalité très impressionnante. Mon père m'a fasciné, je crois, depuis le berceau, parce que apparemment il m'aimait beaucoup, il m'emmenait partout, je ne sais pas, il m'a peut-être donné des secrets. Mais enfin voilà. Donc sur la question de la religion, pour moi, en l'état actuel des choses, il est difficile de considérer de manière non conflictuelle cette partie de notre identité. Parce que, tel que les nôtres le font, essayent de déconditionner les nôtres, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le cerveau, le conditionnement, l'aliénation et les raisons pour lesquelles les gens croient ne sont pas traitées. Tant que le peuple noir sera maintenu dans cette domination, cette précarité, cette misère, ce rejet, ce refoulement au bas de l'échelle de toutes les civilisations, eh bien, et les nôtres auront besoin de ce Dieu-là. Et il sera d'autant plus blanc que c'est à cela qu'on les a habitués. Nous, même si on dit qu'on a des divinités, mais ils ne sont pas représentés. Et c'est vrai que les gens ont conçu que Dieu est représenté, même si chez les musulmans, on dit qu'il n'y a pas d'icône, mais il y a une face, ils sont blancs. Donc, entre les ponts qu'on jette entre religion catholique et islam, etc., peu importe, hein, eh bien, vous voyez, la représentation reste, elle est toujours blanche. Donc, il y a véritablement une aliénation qui est
ultra puissante et que les Blancs maintiennent de toutes les façons parce que c'est la seule façon qu'ils auront de ne pas être remis en question par les Noirs. Parmi toutes les lectures que vous avez eues, alors que ce soit sur le plan professionnel ou non, quel livre vous aura le plus marqué? Je vais dire un livre qui s'appelle Gouverneur de la Rosée. C'est un Haïtien qui l'a écrit. Et pour les gens qui connaissent, comment est-ce qu'il s'appelle Gouverneur de la Rosée? Bon, il faudrait que je tape. Je peux taper sur Internet pour voir si je trouve. Mais vous savez, voilà, j'étais sortie donc de ma ville, de ma petite commune rurale, et j'étais entrée, donc je vous ai dit, attendez, je cherche pour vous, gouverneur de la Rosée, et donc je suis arrivée donc au lycée, non, c'était un collège, et j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main. Me tombait sous la main. Jacques Roumain, voilà, Jacques Roumain. Un D'accord. livre, Gouverneur de la Rosée. Et donc, je lis beaucoup, beaucoup, des choses aussi imbéciles, hein, puisque tous les romans à l'eau de rose qui nous font beaucoup de mal. Et j'ai réfléchi que ce sont ces romans-là qui ont transformé la manière, le rapport à l'amour chez les femmes noires, parce que ce sont elles qui lisent beaucoup, beaucoup ces livres-là, des romans à l'eau de rose, où la relation amoureuse est présentée toujours autour d'un prince et d'un tas de choses un peu idiotes. Bon, donc j'ai tout lu et puis je suis tombée sur Gouverneur de la Rosée, qui est une histoire d'amour, mais dans une campagne haïtienne, dans un lieu de misère, un environnement en fait qui pouvait être ma petite commune rurale, un endroit comme ça où les gens se donnent du mal, travaillent, sont solidaires, sont voilà quelque chose d'extraordinaire et où justement cette relation d'un monsieur qui part, je crois qu'il a vécu à l'étranger, peut-être aux États-Unis ou dans d'une autre île. Et il revient chez lui, il découvre, il veut s'investir pour développer chez lui, pour développer son pays, pour faire naître, parce que là, il est sur une terre sèche, ce qui n'était pas mon cas. Au contraire, j'étais dans une commune très verte, et mon père plantait beaucoup. Tout à perte de vue, il y avait des champs plantés. J'étais vraiment dans un truc extraordinaire, d'une richesse incroyable. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'était une période ultra heureuse de ma vie, parce que c'était beau à voir et ça vous donnait un sentiment d'enracinement. Alors, s'il y a une chose que j'ai de mon enfance, c'est cet enracinement-là. Il est très, très fort et mon père, je vous ai dit, c'était un monsieur qui m'impressionnait beaucoup. Il avait beaucoup vécu. Il était très. Il souriait peu, il était très, il parlait peu, mais on sentait quoi. Chez nous, on appelle ça une racine casse. C'était, pour moi, c'était l'Afrique. Je l'ai compris après, dans ses pratiques aussi. J'ai retrouvé des pratiques vraiment très anciennes, africaines. Donc, j'avais des vécus comme ça, très directs. Et puis, j'ai eu mes deux parents. Beaucoup de gens n'ont pas eu leurs deux parents. Nous sommes à presque à 47% de familles monoparentales. Donc, moi, ce sont des failles que je n'ai pas. J'étais alors gouverneur de la Rosée, c'était pour moi, dans cette deuxième partie de mon développement, un livre extraordinaire de générosité, de beauté dans la misère de Haïti, la sécheresse, la difficulté pour les gens de vivre, de boire, de manger. Il y a Manuel, il s'appelle Manuel, je n'ai jamais oublié son prénom, et la fille s'appelle Anaïs. Vous voyez, j'étais toute jeune quand j'ai lu ça, et c'est entre les deux qu'il y aura une histoire d'amour, mais lui, il vient pour aider son peuple, et il va découvrir une petite source, une petite source. Il va travailler à la faire, l'acheminer sur la terre de ses parents et pour pouvoir justement planter
Et donc, il faut appeler tout le village à la rescousse, solidariser les gens. C'est un truc extraordinaire. Et puis, il y a Anaïs qui va rencontrer et une histoire d'amour, mais qui n'a rien à voir avec celle des Blancs que j'avais pu lire dans des histoires. Et très sincèrement, je n'ai jamais, jamais, jamais trouvé de plus belle histoire d'amour entre deux Noirs que dans La Raison. Il y a dans les films indiens aussi cette manière qu'ils ont de se regarder, que je retrouve chez les Noirs. C'est pour ça que je dis que voilà, ce sont deux peuples que j'ai rapprochés sans arrêt parce que j'ai cherché les points communs et j'en ai trouvé beaucoup, même si le racisme imbécile a fait qu'ils se sont séparés par la suite. Et donc, on va tuer Manuel à la fin. C'est quelqu'un du village qui n'accepte pas qu'il vienne, qu'il soit amoureux d'Anaïs et surtout qu'il change les choses comme il le fait. Et il va le tuer d'un coup de couteau. Et ça, c'est la réalité des dominés aussi, qui ne comprennent pas que, voilà, il y a intérêt à se mettre ensemble. Il y a intérêt parfois à sortir de ce caractère sombre qui nous envahit, ces émotions qui nous envahissent, parce que les dominants, c'est ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que même lorsqu'ils ne s'aiment pas, ils savent mettre de côté leur querelle intestine pour garder le sens de leurs intérêts. C'est ce que j'essaye moi aussi. Peut-être que ce livre, maintenant que je vous en parle, peut-être qu'il m'a plus influencé que je ne le crois, mais le sentiment de, quand je vous parle du bonheur que j'ai eu dans mon enfant, que j'ai ressenti, eh bien, quand je parle d'un livre, bon, j'en ai aimé beaucoup d'autres après, j'ai relu Cheikhanta Diop, je crois que ça s'appelle L'unité culturelle de l'Afrique, et j'ai pris un temps fou à le relire, parce que chaque petit détail, pour moi, recelait d'une tonne d'informations. Et je revois les cerveaux de Cheikhanta Diop fonctionner un peu. Moi aussi, je suis un peu dans ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à relire Cheikhanta. Bon, on a plein d'auteurs que j'aime. J'ai passé un temps fou à lire Samben Ousmane, à lire tout. Toutes les séries, enfin voilà, j'ai beaucoup, beaucoup lu. J'ai lu aussi des livres sur les travailleurs en Grande-Bretagne dans la mine. Il y avait une série de romans comme Émile Zola hein, pour les ouvriers, les paysans, les pauvres, etc. Mais D'accord. il y a l'équivalent chez un auteur anglais, dont je ne vais pas garder le nom, mais j'ai lu toute la série, comme j'ai lu tous les Zola, j'ai lu, voilà, ça c'est dans la littérature française, mais donc chez nous, j'ai beaucoup aimé aussi celui qui a écrit La rue Cazeneigre, même si je trouve qu'on a un peu oublié de signaler que on a rendu ce décor-là, on a rendu cette vie de descendants d'esclaves un peu en décor et on voit la beauté des choses parce que la metteur en scène a fait du beau de ça, mais la réalité sociale et politique qui est derrière, j'ai l'impression que les gens l'oublient. Donc voilà, un livre, D'accord. Gouverneur de la Rosée. Parce que je l'ai lu quand j'étais adolescente. Et si vous aviez l'opportunité d'avoir un entretien avec un personnage historique, alors contemporain ou pas, un personnage historique, qui choisiriez-vous et pourquoi? Un personnage qui m'aurait. Parce que j'ai beaucoup de mal à admirer. Parce que justement, je suis peut-être très. Très terre à terre et que je sais que l'être humain. Mais un personnage, je suis sûre qu'il m'aurait impressionné et par qui j'aurais aimé ou que avec qui j'aurais aimé discuter, ça aurait été Cheikhanta Diop. D'accord. Effectivement. Effectivement, sans détour parce que sans détour parce que quand je lis la façon qu'il a travaillé, cette générosité, cette manière qu'il a de tracer des voies pour son peuple. Bon, je lui ai reproché, bon, comme à beaucoup d'entre nous, ne pas avoir donné
cet héritage extraordinaire à une femme noire, c'est vrai. Mais il y a des gens comme Ouattara qui ont épousé une femme blanche et qui assassinent leur peuple. Il n'est pas le seul à le faire parce que en politique, la femme blanche n'est pas neutre. Mais la femme de Cheikh l'a aidé dans son travail on va dire, déconstruction de l'aliénation, de compréhension, etc. Et par exemple, c'est la seule chez qui on a trouvé que l'Afrique était peuplée de 600 millions de gens Exactement. quand la traite négrière a commencé et qu'à la fin, il y avait à peine 200 millions. Donc, il y a 400 millions qui sont passés à la trappe et on ne sait pas comment. Mais voilà, mais en tout cas, moi, je trouve que tous nos grands hommes noirs puissants, qui sont impressionnants, mais en tout cas, moi, je reste un peu comme ça. Hein. Je suis fascinée par la puissance de l'Afrique, ça c'est clair. Et c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que l'Afrique, le jour où l'Afrique pourra exprimer son potentiel, parce que ça, c'est un truc que je ressens très physiquement, la capacité des gens de parler le français mieux que les Français, de toujours être dans la volonté de dire qu'on n'a pas de visée colonialiste, qu'on ne veut pas, on n'en veut pas, si on veut pas écraser, ça c'est unique, c'est unique au monde. Et donc le jour où l'Afrique va reprendre son potentiel, mais voilà, la planète sera enfin dans la lumière. Donc je pense que c'est, si vous voulez, quand je dis Tchekanta, je dis ça parce que au fond, je n'admire pas. J'ai beaucoup de mal à admirer parce que j'ai toujours trouvé que beaucoup de gens, en même temps qu'ils font des trucs, qui prennent des positions, on sent qu'ils sont très préoccupés de leur personne. Et ça, c'est une chose que je ne sens pas chez Tchekanta Diop et qui fait que, voilà, mon sentiment d'avoir envie d'admirer quelqu'un, il se libère complètement parce que lui, il est vraiment dans le souci de son peuple. Et ça, c'est une chose que j'adore. Comme dans Gouverneur de la Rosée, quand Manuel arrive, il est vraiment dans le souci de rendre son peuple heureux. Peut-être que c'est une chose comme ça qui m'habite. Je ne sais pas si j'ai une phobie. Bon, il y a des bestioles, des choses que j'aime pas du tout. Je sais pas si j'ai une phobie, parce que au fond, je me sens en paix avec l'univers. J'ai un ennemi, c'est le racisme, les inégalités, les injustices. Ça, ce sont mes ennemis. Ils sont puissants là, et on a du mal à les sortir de leur du fait qu'ils ont eu le temps d'étendre leurs tentacules sur les peuples qu'ils dominent, qu'ils n'ont pas vu venir, qui n'étaient pas dans les mêmes préoccupations. Mais une phobie, ça serait, oui, notre disparition peut-être, parce que je vois qu'on travaille très activement à nous faire disparaître. Et ça, depuis que je suis, que je comprends les choses, que j'ai réalisé qu'il y a un complot contre notre peuple, oui, donc je travaille beaucoup à faire des recherches qui vont montrer aux gens qu'il faut faire attention. Par exemple, le taux d'exogamie dans nos rangs, de mariages raciaux, interraciaux, si on veut, biraciaux, interraciaux plutôt, il est tellement plus fort que dans tous les autres groupes que aujourd'hui, dans toute la sphère où il y a une diaspora noire, eh bien, c'est le métis. Parce que c'était la volonté du blanc, c'est le métis qui se substitue au noir et c'est lui le noir désormais. Ça veut dire que les blancs sont en train véritablement de
construire une nouvelle humanité avec laquelle ils vont dire qu'ils ont injecté du sang blanc dans ces personnes-là et que c'est pour cela qu'elles sont mieux ou plus éligibles que les Noirs eux-mêmes qui seraient, etc. En fait, ils ont peur des Noirs, donc il y a une création d'une couche. On le voit d'ailleurs. En Inde, c'est comme ça que ça s'est fait. Les Noirs de l'Inde, les Tamouls, les vrais Dravidiens, ont été supplantés par le métissage. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les Indiens, ce sont des métis, enfin des gens qui se sont mélangés aux Blancs. Et aujourd'hui, les Noirs de l'Inde, les vrais Noirs, souffrent énormément. Ils sont rejetés, on les a supplantés sur leur propre territoire. Dans les pays aujourd'hui qu'on appelle le Maghreb, c'était des pays peuplés de Noirs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mélanges, parce que pour moi, les Arabes, ce sont à 90% ou 99% des mulâtres, qui se sont mariés entre eux pendant longtemps et qui ont formé un type. Un type. Vous avez dans beaucoup d'autres régions du monde cette formation d'un nouveau type et qui fait disparaître donc le type noir à chaque fois. Et ça, alors je ne sais pas si c'est une phobie, mais je sens que c'est à l'œuvre parce que j'ai fait un peu le tour du monde sur les endroits où les Noirs occupaient toute la planète. J'ai fait le tour du monde pour découvrir tous ces endroits où les Noirs ont été supplantés et c'est affolant. C'est affolant. Donc, phobie, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qu'on peut déjà observer dans beaucoup de pays. Et comme vous le voyez en Amérique latine, par exemple, ce qu'on appelle les comment, enfin les non les Latinos, chaque fois que ils ont supplanté le noir à partir duquel ils sont constitués, eh bien, ils ont développé un racisme qui est plus terrible encore à vivre au quotidien contre les Noirs. Vous voyez? D'accord. Et ça, vous retrouvez les mêmes constats en Inde, dans les pays d'Amérique latine, où les Noirs sont carrément cachés, on ne les voit pas, dans les pays du Maghreb. Et ça, même si on dit qu'on est en Afrique, il faut faire attention. Les pays du Maghreb ont un discours, beaucoup d'entre eux ont un discours violent, même si c'est peut-être la population civile, je ne sais pas, contre les Noirs. Donc les Noirs sont effectivement, à mon avis, menacés. Sur le continent africain, au nord, tout le nord est pris par les Blancs, tout le sud est pris par les Blancs. À l'est, vous voyez des sociétés se former et avec des gouvernements de Blancs, etc. Et on sent que le peuple noir est de plus en plus circonscrit. On a mis en place énormément de moyens, de labos pour les exterminer avec des virus qui surgissent comme ça de nulle part du jour au lendemain et qui exterminent. Le sida était fait pour ça. Et il y a beaucoup d'endroits sur le continent où on a exterminé les populations pour pouvoir fouiller le sous-sol parce que le malheur du continent, c'est sa richesse qui est convoitée par des gens sans foi ni loi. Et comme ils ont pris le temps de développer leur théorie sur l'infériorité et l'inhumanité du noir ou son infra-humanité, eh bien, ils les tuent comme des mouches et ils n'ont pas d'état de conscience parce qu'ils sont partout, ce sont eux qui dominent et quand ils disent, eh bien, ils vont punir, mais personne ne peut dire on va les punir. Donc, du coup, ça se fait en toute impunité et je continue à penser que le peuple noir est menacé. Écoutez, merci pour cette réponse en tout cas. On tire vers la fin de l'entretien. Je vais vous inviter, Madame Sterla, à vous prêter à un jeu. C'est le jeu des contraires. Je vais expliquer. En fait, je vais vous donner 6 mots. Et selon vous, bien évidemment, vous allez m'en donner pour chacun d'entre eux le contraire. Essayez, je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc en Essayez, fait, je oui. vais vous donner un mot et vous allez me donner, selon vous, Oui, le le contraire. son contraire. La vie. Le contraire de la vie, ça serait, je sais pas, sais pas, l'éternité. La sagesse.
La solidarité. Je ne veux pas dans les contraires. Je vais vous dire, moi, comment je vois plutôt les choses. La sagesse. Ou peut-être l'égoïsme. L'égoïsme serait le contraire. D'accord. La naissance. Bon, on peut dire la mort, mais bon, ça n'a pas de sens vraiment si on ne survit pas à la mort. Parce que la naissance, c'est aussi le contraire de ne pas naître, c'est ne pas exister. Ne pas exister, je ne sais pas. Non, j'ai du mal avec ça. D'accord, la réincarnation. La disparition. D'accord, l'incarnation. L'incarnation, ben. C'est très drôle parce que j'ai du mal à penser dans les contraires, dans les opposés. Je cherche plutôt dans les synonymes, voyez? Pour moi, c'est intéressant aussi ça. Ben, l'incarnation, ça serait, on va dire, le non-être. D'accord. Le vent. Je sais pas. Ça serait le vent, ça serait plutôt mais je sais pas quand ça ne bouge plus. Ça serait l'immobilité. D'accord. La mat. Le mensonge, le viol, le manque de respect, enfin, la maths, ça serait tout ce qui empêche que l'être humain soit. C'est l'inhumanité, en fait, la déshumanisation, peut-être. D'accord. Très bien, je vous remercie. Alors, si la planète ne change pas de main, si j'avais lu un auteur qui c'est un ethnologue qui disait que les Occidentaux ont inventé un système qui est difficile à arrêter. Il est ethnocidaire. Il est, c'est-à-dire maintenant, il fonctionne, il fonctionne tout seul. Il y a plus personne qui sache l'arrêter. Je crois que si ce système ethnocidaire continue à exister, d'abord, il va éradiquer. Il essaye déjà par d'autres moyens, par arrêter ce que la vie nous a donné de plus naturel, et puis créer une autre humanité, mi-homme, mi-machine. Enfin, voilà, il y a un tas de délires de puissance chez une catégorie de la population et qui fait que elle va au bout de ses rêves, cette catégorie-là. Son rêve, c'est de créer un homme parce qu'elle ne comprend pas que la nature ait créé quelque chose qu'elle n'arrive pas à égaler, cette catégorie-là. Donc, son rêve, c'est d'aller au bout de sa concurrence avec la nature, puisque depuis le début, on sait que les Blancs ont décidé que ils allaient, c'était eux qui allaient dominer la nature et pas le contraire. Eh bien, ce vieux rêve chez les Occidentaux qui est venu depuis le moment de la Renaissance, et il est encore là, et ils ont un peu neutralisé tous les peuples qui pourraient, ou les puissances, et je pense que le combat entre l'Occident et la Russie est un peu ce genre de, est un peu dans ce genre de dilemme. Eh bien, si effectivement personne ne peut arrêter ce système ethnocidaire,
Oui, la planète est menacée et donc les luttes, et je pense que les peuples dominés le comprennent de mieux en mieux, les luttes qui se mènent entre grandes puissances, notamment entre l'Occident et la Russie, bien, sont des luttes, et puis notamment l'émergence des BRICS, sont des pays qui ont peut-être une volonté de maintenir l'humanité dans son humanité. Et si les peuples comprennent bien ça, même si ils n'ont pas toutes, si vous voulez, les outils pour dans l'immédiat empêcher ce fonctionnement ethnocidaire, je pense que à la longue, on arriverait effectivement à neutraliser cette force qui est là et qui n'a pas de limite en fait, parce qu'elle se sent surpuissante et sa volonté d'aller sur Mars et cette manière de nous dire à la limite. On peut faire sauter la planète, mais nous, les quelques rescapés que nous serons, parce qu'au fond, ils travaillent pour une très, très petite composante, les quelques rescapés que nous serons, ben, nous allons nous réfugier sur la planète Mars, et puis la planète telle qu'elle est là, elle peut sauter. Donc c'est à nous, aux êtres humains qui réfléchissent un peu, de se projeter dans un futur qui n'est pas si futur que ça, si loin que ça, pour comprendre qu'il y a un enjeu là, aujourd'hui, à stopper cette force-là, parce que c'est une puissance, et je vois que la Russie joue bien aussi avec le nucléaire pour freiner les folies de ces gens-là. Donc, il faut espérer que la Russie va rester dans ses fondements, et qu'elle va être un équilibre aussi pour la planète, pour empêcher que ben, la folie des hommes, ne serait-ce que parce que elle est proche de l'Afrique, est proche d'elle ou elle est proche de l'Afrique par sa volonté de maintenir l'humanité dans son humanité. Et ça, c'est très important puisque l'autre modèle nous propose de sortir de l'humanité pour aller vers autre chose. Et cette autre chose-là, c'est l'extermination en fait de l'existant. Et donc, il faut qu'on ait conscience de ça, de notre rôle, les responsabilités qu'on a à prendre, les prises de parole, et puis éclairer sans arrêt tous les nôtres qui sont très conditionnés, sans les culpabiliser, mais nous sommes dans un peuple qu'on travaille matin, midi et soir. Les Noirs ne sont pas laissés une seconde libre de penser le monde. Il faut que les gens comprennent ça. Et c'est parce qu'ils sont les plus, au départ, les plus forts, les plus, ceux qui détiennent le capital humain dans leurs mains et dans leur tête, qu'on les a travaillés à ce point-là. Aujourd'hui, on a fait tomber le peuple noir, dans les abysses, dans les abysses. Mais dès que ceux qui font leur travail, si on continue sans culpabiliser, sans taper sur la tête des gens, parce qu'on est dans des guerres incroyables, ben voilà. Mais la tâche ne sera pas facile pour nous, c'est clair. Mais il ne faut pas abandonner. Alors justement, quel conseil donnerez-vous à la jeunesse? Moi, je dis, si on peut arriver, si d'abord les jeunes comprennent que, avec leur folie là, de faire carrière dans un système qui ne veut pas du bien à leur civilisation, parce qu'il faut bien savoir ça, si ils ont conscience que ils sont articulés à une culture et que leur travail, leur comportement n'est pas de se disperser sur la planète en épousant les femmes de toutes les cultures, parce que dans le couple, et cela s'est d'abord vu en Afrique, la répartition des rôles était très précise et ce sont les femmes qui transmettent la culture. Donc si les gens acceptent de se diluer racialement, OK, mais il faut qu'ils comprennent qu'en le faisant, ils se diluent aussi culturellement et c'est fini pour l'Afrique. Parce que dans les femmes que les trois quarts de nos hommes épousent, ce sont elles qui transmettent la culture. Dans toutes les civilisations, ce sont les femmes qui transmettent la culture. Donc quand on épouse ou qu'on est avec des étrangers, c'est sûr, les gens vous parlent d'amour, mais c'est le conditionnement qui fait que parce que, voyez, dans les couples, ce sont les dominants qui sont avec les dominés. C'est pas, j'allais dire, c'est pas une relation symétrique, ça. C'est une asymétrie qui se maintient dans ce qu'il y a de plus intime dans un couple. Donc, il faut que les gens comprennent
Il y a à tenir compte de la culture quand on fait des choix. Et ce sont les femmes qui transmettent la culture. Chaque fois que vous avez une femme étrangère, eh bien, l'enfant est perdu. C'est moins vrai pour les femmes noires, mais ça commence à être quand les hommes blancs prennent le dessus, eh bien, l'enfant est réinvesti dans le groupe des blancs, parce que culturellement, ce sont les choix. On voit bien tous ces métis qui ne sont pas fidèles à leurs parents noirs. On peut même pas leur reprocher ça. C'est un phénomène que les blancs connaissent bien. C'est pour ça que l'idéologie du métissage, et je vais le montrer, est une idéologie induite par les blancs chez les noirs. Maintenant, les conseils, c'est chercher à faire carrière à tout prix dans la civilisation des Occidentaux, alors qu'ils peuvent rentrer chez eux pour apporter leur pierre à l'édifice. Moi, à mon avis, c'est aussi croire que les retombées qu'ils veulent en termes d'humanité, etc., que ça viendra. La preuve, c'est que chaque fois que le dominant vous a rendu service, regardez, on vient de dire au Niger que l'eau appartient à l'Union européenne. L'eau que les Nigériens boivent, qui passe au Niger, qui est au Niger, on vient de leur dire, parce que surtout les Occidentaux, ils n'oublient jamais. Ils vous font quoi? Ils vous font des prêts à des taux exorbitants, et ces prêts, vous devez les rembourser. Et puis quand il y a des conflits comme ça, ils vous disent, mais c'est moi, c'est grâce à moi que vous avez ça, alors que vous avez payé pour l'avoir. Donc, à tous les niveaux, je vois aussi qu'il y a une catégorie d'Africains ou de descendants qui s'inventent des ethnonymes d'Afropéens, de je ne sais quoi. Mais jusqu'à où le peuple noir ira pour s'adapter à des gens qui ne veulent pas d'eux, qui ne les aiment pas? Et je le dis là en mondovision, vous savez que vous êtes la ressource pour les gens qui ne vont pas vous aimer, parce que s'ils vous aiment, ils ne pourront pas continuer à vous détruire comme ils le font là, à vous exploiter, à vous piller. Donc ils ne vous aimeront pas, parce que ça fait partie de la donne. Les voleurs n'aiment jamais leurs victimes, c'est clair. Donc il y a plein de petits détails comme ça à comprendre. Qu'est-ce que je fais de ma vie, même si je suis née là-bas? Comment je viens aider mon continent? Comment je viens aider mon peuple? Est-ce que j'ai besoin? Forcément, moi, je vois qu'il y a des gens qui ont besoin de comptes en banque gros comme ça. Moi, j'en ai un qui est très, 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 très petit. Et du moment que je peux boire, manger et puis écrire mes livres, etc., un peu de vacances de temps en temps, je ne vois pas pourquoi je devrais vendre mon âme pour avoir plus d'argent. Parce que pour avoir plus d'argent, j'ai eu 1000 façons d'en avoir, j'ai eu 1000 propositions. Et j'ai fait des choix qui m'ont privé de gros comptes en banque ou de grosses rentrées d'argent. Mais moi, je ne sais pas d'abord qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent, juste parce que ça donne un sentiment de puissance ou parce qu'on aime l'argent. Il faut que l'Afrique aussi redéfinisse son rapport à l'argent. Je vois beaucoup de Noirs qui vendent père et mère pour l'argent. Bon, ils ne sont pas les seuls, mais nous, dans ce qui nous intéresse, nous devons réfléchir à ces habitudes-là. Il y en a qui adorent, qui sont prêts à se faire tués parce qu'ils adorent un dieu blanc aux yeux bleus et qu'il faut pas leur dire que c'est pas leur dieu. Il y en a qui ont pour dieu l'argent et qui mettent le continent dans l'état qu'on sait actuellement. Donc il y a en tout cas des discussions à ouvrir, des réflexions à mener sur comment nous avons été contaminés par des choix qui ne sont pas de nous. Parce que je répète que le métissage, par exemple, ce n'est pas un choix de nous. Ça n'est pas. Je vous dis ça parce que vous prenez les Indiens, les autres communautés qui vivent. À la limite, ils ont des relations avec des gens des pays où ils sont. Mais retourner en Inde, par exemple, un Indien avec une blanche, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il y aura tellement de conflits que les hommes indiens, non, ils ne le font pas. D'ailleurs, ils partent quand il y en a qui le font, ils sont plus en Inde du tout. Donc c'est très particulier. Il y a vraiment des conduites que nous avons adoptées, des comportements qui sont induits par les Occidentaux parce que au fond, ils ont un projet.
Le projet, c'est de continuer de s'approprier l'Afrique, de continuer son exploitation, de faire que l'élite qu'ils forment travaille pour eux parce qu'ils ont besoin des savoirs et des entrées de ces personnes-là. Très souvent, vous avez vu, hein, derrière un noir, il y a une armée de blancs. Parce qu'il faut les mettre en avant pour tromper les gens ou faire croire que ce sont des personnes qui viennent travailler. Il y a même actuellement un panafricanisme qui vient de la Françafrique. Vous voyez, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent parce qu'au fond, il faut que les Africains et les Afro-descendants de partout comprennent qu'il n'y a qu'une chose qui compte pour ces gens-là, c'est s'approprier les richesses et les sécuriser. Tant qu'il y aura des gens qui vont revendiquer la propriété de ces richesses comme ça se fait en Afrique, là où ils sont chez eux, eh bien, ils auront les Occidentaux sur le dos et il y aura des inventions, des manigances, des créations de toutes sortes pour les détourner, pour les amuser, pour les distraire et pour leur dire que c'est chez eux qu'il y a du bonheur, alors qu'en Europe, on sait désormais que les temps qui viennent seront durs. Et c'est pour cela que les Occidentaux eux-mêmes commencent d'ailleurs à aller en Afrique. Vous avez maintenant une immigration de pauvres blancs qui arrive en masse en Afrique. Si les Africains ne se protègent pas de ça, demain matin, avec les élites blanches qui ont toutes les armées du monde pour prendre le continent, avec les masses blanches qui vont arriver là comme main-d'œuvre, le continent est complètement encerclé, c'est fini. Il faut que les gens comprennent que l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger et il y a des manœuvres qui sont faites pour que l'Afrique échappe complètement aux Africains. Ça, c'est une. Il n'y a pas besoin d'aller se chercher. Donc, pour les jeunes, il faut leur dire ça. Il faut, à la limite, s'ils viennent en France, pourquoi ils sont tous obligés de se marier, de prendre racine là? C'est vrai que sur le continent, s'ils faisaient pression sur le continent, peut-être qu'ils se déferaient plus rapidement des dictateurs. Regardez au Mali, regardez au Burkina, les jeunes sont là, ce sont les jeunes qui font, ce sont eux, ce ne sont pas les vieux croutons qui sont là et qui servent aveuglément des maîtres sans pitié pour eux. Parce que regardez, tous ces gens qui ont été complètement écrasés par la France, ils sont morts comme des chiens. Et encore, les Blancs font plus de cas des chiens qu'ils n'en font des nègres. Tout le Bongo, l'autre comment celui qu'on appelait le dictateur, tout ça, là. Ces élites qui les ont corrompus et qui ont tout tiré d'eux, il y en a même un dont Giscard d'Estaing a fait un enfant à la femme. Vous voyez, c'est pas, comment il s'appelle celui du Congo là? Vous voyez, donc, ce sont des gens qui sont tellement piétinés. D'ailleurs, je suis en train de proposer dans le livre que je prépare des explications parce qu'on ne comprend pas. Comment on a pu écraser des gens pas de cette façon-là? C'est-à-dire que le cerveau ne soit plus qu'une ma machine d'enregistrement des ordres du dominant. C'est affolant. Et pour moi, il faut que les Noirs travaillent beaucoup sur le fonctionnement du cerveau parce que on ne comprend pas comment les Blancs, qui n'ont rien, ont réussi quand même à comme ça, en. S'allier, se rallier des personnes qui auraient été très puissantes si elles avaient décidé de devenir des États souverains. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui disent, ils disent, on n'a pas été colonisés, nous, on veut bénéficier de nos richesses. Mais c'est très dur parce que les Européens ont mis en place des machines redoutables et nos jeunes auront à se battre. Vous voyez, on vient d'arrêter Nestor Podassé et c'est un ambassadeur blanc de France au Burkina Faso qui demande à la justice burkinabé d'arrêter Nestor Bodassé. Vous voyez l'impact, l'influence que ces gens-là continuent à avoir sur le pays, sur ces pays-là. Donc, non, je répète, l'Afrique est en danger, notre continent est en danger, notre peuple sera un peuple d'apatrides, sans terre, sans rien, puisque
Plus on avance, plus nous sommes dépouillés, plus on nous prend tout, parce que les gens qui sont là, en ayant fait de nous des infra-humains, ils nous descendent, ils ont toutes sortes d'inventions pour nous faire disparaître, et par le métissage, ils ont trouvé l'arme suprême pour nous diluer et nous dissoudre et récupérer nos métisses qui leur apportent du sang frais, puisque eux sont un sang récessif. Donc, enfin, je veux dire, moi, je me suis spécialisée dans ces recherches-là. Parce que j'ai compris très tôt que nous n'étions pas libres de ce que nous faisions, que nous adoptions exactement comment vous dire ça, les trajectoires, nous les empruntons. Ce sont celles-là qu'ils ont définies pour nous. Et par exemple, le sentiment anti-français que Macron vient d'inventer pour détourner l'attention des gens, ben, il n'y a pas un Africain aujourd'hui qui n'utilise pas cette expression. Et pourquoi? Il n'y a rien de plus démagogique que cette expression-là. Parce que ce n'est pas une histoire d'un sentiment anti-français. Tu pilles mon continent. Moi, je te dis que je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que... Et voilà, on n'aime pas les Français, c'est pour ça. Mais à la limite, demandez-vous si c'est vrai que des gens ne vous aiment pas, pourquoi ils ne vous aiment pas. Mais vous le savez très bien. Mais cette démagogie, cette manière qu'ils ont de détourner l'attention et de créer des concepts qui nous écartent totalement des vraies réalités. Et pourquoi les Africains reprennent cette expression? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Non. Alors, donc... Une fois que vous êtes trop critique, que vous comprenez leur jeu, ils vous écartent ou bien ils vous mettent dans ils essayent d'empêcher que vous soyez entendu. Mais à un moment ou à un autre, l'Afrique aura 1,2 milliard, je ne sais pas combien de gens là bientôt. À un moment ou à un autre, il faut faire jouer leur rapport de force qui est que c'est mon continent. Regardez tous les peuples qui ont déjà envahi le continent. La Côte d'Ivoire n'est plus aux Africains. Je vous dis, quand je vous dis au nord c'est blanc, au nord, sud c'est blanc, à l'est c'est blanchi en partie, à l'ouest, etc. Il reste quoi à l'Africain? À l'Africain dont c'est le continent. D'abord, il occupait la planète. Où il est là? Où il a, pourquoi il a disparu? La planète est blanche aujourd'hui. Et on vous dit, oui, les blancs, c'est une petite minorité. Non, c'est faux. Les blancs, par le métissage, ont réussi à blanchir la planète. Voilà. En tout cas, ce sont des problématiques de taille qu'il faudra traiter en même temps que la souveraineté. Et parce que les couples sont le potentiel de l'Afrique de demain. Et si les couples sont tous exogames, dépareillés, regardez ce que Madame Ouattara fait avec son mari sur le continent. Madame Ouad, quand elle était au Sénégal, elle dirigeait le Sénégal, alors que personne au Sénégal n'a élu machin. Et aujourd'hui, quand on a enlevé Monsieur Sonko hier, dans des conditions qu'on sait qui sont horribles, eh bien, ce sont les militaires blancs que Macky Sall utilise contre son peuple. Ce sont des Français qui sont venus, qui sont aux commandes, qui tirent, etc. Vous voyez? Donc, on est dans quelque chose où on doit faire ressentir ce sentiment d'urgence à nos jeunes, surtout parce que, eh bien, c'est pour eux qu'on prépare le continent. Il faut qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'agir, de dire soi-disant j'aime et puis je fais ce que je veux comme je veux. Il y a un garçon qui est magnifique, extraordinaire, il s'appelle Diawara, on l'appelle général Issa Diawara. Eh bien, hier, je l'écoutais dire, moi, je ne sors pas. Je suis ici chez moi parce que ici, c'est là que la lutte se mène et je veux voir mon pays se libérer, je veux, etc. Et donc, il ne se donne pas un tas de besoins, d'envie, etc. Il vit pour la libération de son pays et de son peuple. Et il est magnifique comme garçon. Voilà, c'est le genre de personne, voilà, peut-être pour ça que tu tiens quand t'as Diop, comme Manuel de Gouverneur de la Rosée, comme Issa Diawara, et Podassé, ce sont des gens qui pensent à leur peuple. Et moi, peut-être que c'est ça, peut-être parce que, voilà, moi j'ai bien vu très tôt que on ne nous laissait pas faire peuple en Martinique. Ça a été une de mes préoccupations principales. Merci beaucoup pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder.